Kerno Yaya Diallo, Ousmane Tanou Diallo et Aissatou Kouyeba sont les trois personnes élues à la présidence de la Jeunesse internationale de Tabital Poulakou. C'est à l'occasion de la conférence internationale de la dite organisation tenue le 10 septembre 2022 à Abuja, la capitale nigériane. Ce samedi, les trois représentants de la Guinée ont été présentés à la coordination nationale de Foulbé et Halipoula de Guinée. La cérémonie de présentation de ces trois élus de Tabital Poulakou International a eu lieu sous une forte mobilisation de la communauté Foulbé et Halipoula de Guinée. Et c'est sous la présidence d'honneur de El Hadj Ousmane Fatakobaldé. Nigeria comme meng e biro coordination fulbe hali pular ko meng halpini be woné di e polgangal ko yobe mobutu jama sukabe ben e itta en ka fewndi den do be natira en yeso do buttu benel de re en ko teddungal e gebal lam ari en jeyaka e jogi be ko initiative meden addi dendangal CNS on voyo fottu mo ina biro on biro presento ye Nigeria be jetta on biro kom biro international pour be ali pula capital pula ko international luka ben ko be yata ko minne libe si ɓe ari ɓe addori teddungal no waywa sa bogi ke dolin a nangui lingui ara meɗo weltori ɗonintaka ɗo ɗe komi torotoɓe kamɓe yoɓe jokku kokoɓe tawi meɗen jokki kon faale teddungal e leydi ndin faale jokkerenɗan e leydi ndin faale moƴƴinal ɓiɓɓe leydi ndin heɓugol gueɓe e nder ngaalu leydi ndin e kadi min waɗat ko min wawi kon droitji amen ɗi min hettaɗi. Kerno Yaya Diallo est le président de la jeunesse nationale et internationale de Tabital Poulakou. Son premier vice-président est Ousmane Tanou Diallo et Aissatou Kouyeba en est la deuxième vice-présidente. Ils sont tous élus pour un mandat de 4 ans, c'est-à-dire jusqu'à 2026. Leur élection à la tête de Tabital Poulakou pour la jeunesse internationale a eu lieu à la faveur d'une rencontre entre plus de 28 pays de par le monde où vivent des Poulakou. Il était question de discuter des problématiques liées au Poulakou. L'objectif de Tabital Poulakou, c'est un peu de pérenniser la culture du Poulakou. Aujourd'hui, avec cette modernisation du monde que nous voyons, donc l'un des efforts les plus importants, c'est vraiment de travailler afin qu'on puisse pérenniser la culture Peul. Donc c'est ça d'abord principalement notre rôle. Mais ensuite, avec l'enjeu socio-économique du monde aujourd'hui, l'idée c'est de vraiment essayer de regrouper cette jeunesse, de la conscientiser, d'avoir une éducation politique et sociale, une harmonisation dans nos différentes activités, afin qu'ensemble, qu'on puisse créer une unité autour du monde, répondre à la question de paix dont vous êtes en train de parler, parce que si vous voyez aujourd'hui la Guinée, les Guinéens sous les Peuls du Mali, du Niger, du Burkina Faso, tous sont en train de subir certaines exactions dans leur pays, loin d'une position ethnocentriste. Aujourd'hui, nous avons cette position, c'est une position humaniste pour nous. Donc humaniste dans le cadre de venir assister et supporter des populations qui sont en train de subir une injustice. Il ne faudrait pas que nous attendions l'injustice qu'elle prenne forme pour qu'on y réponde, mais c'est plutôt d'avoir une position proactive face à cette injustice, mais aussi de permettre un certain équilibre socio-économique pour cette communauté. Les femmes sont à l'honneur dans le nouveau bureau élu de Tabital Poulakou pour la jeunesse internationale. Aissatou Kouyeba est parmi les représentants guinéens élus pour diriger cette organisation internationale. Elle a lancé un message aux femmes de Guinée. Je l'ai dit en poulard, j'appelle à toutes les femmes. C'est-à-dire que si je suis élue aujourd'hui vice-présidente de cette organisation, c'est un exemple de démocratie, c'est un exemple d'équité. Vous avez vu, cette mobilisation et cette organisation n'est pas que masculine. C'est les femmes aussi, parce que vous savez que partout où les femmes sont, les choses réussissent.
C'est pourquoi j'ai passé en Poulard mon message tout à l'heure, l'appel aux femmes pour qu'elles viennent, pour qu'elles participent à l'évolution de cette organisation. À cette rencontre de Fulbe et Halipoula de Guinée, il y a eu la prestation des troupes artistiques. La lecture du Saint-Coran, des prières et bénédictions ont également caractérisé la cérémonie de présentation des trois personnes élues pour la Guinée au Bureau international de Tabitha Poulakou.